Des bombes collantes. Ah oui, je sens certainement, peut-être les lunettes, peut-être. Va falloir enlever les lunettes. Et... Je t'explique, Bachir. Oui. Il y a pas mal de choses qui ont disparu. Il y a des bombes collantes là? Ouais, tout autour de toi, ouais. D'accord. Ouais, mais Je joue c'est à pour quoi là? toi. C'est quoi ce Range ton truc? arme, C'est quoi ce range ton bordel? C'est quoi ce arme, range bordel? C'est ton quoi ce bordel? arme. Range ton arme, Calme-toi. frérot, range ton arme, range ton arme. Comment ça, range Calme-toi. ton arme? Il y a des bombes collantes autour de nous, frère. Qu'est-ce que tu fais là? Mais, Si je meurs, tu meurs avec moi, frère, hein, je te Bah le dis, oui, hein. bah oui, c'est ça le truc en Je suis un fait. peu S'il meurt, il meurt instable. avec nous. Donc, Bah ouais, bah si, tu mourras Oui, avec moi, frère. Et bah ouais, c'est ta pas grave, on va stabilité, tous tu mourir. vas On tout va tout mourir. hospital Non, mourir. non, Ouais, comment ça, on va j'aime tous ça. mourir? T'es qui, Écoute, toi, déjà? tranquillement. T'es qui? Non, 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 je travaille pour des affaires, mais apparemment, ce Bachir, apparemment, a des kilos et des kilos de bœufs. J'aurais voulu savoir d'où tu les as eus. De quoi? T'as des kilos de bœufs. Ouais, j'ai des... Ouais, bah ouais, et Ouais, alors? tu les as eu où Ouais, bah je les ai exactement? ramenés du Maroc. Ouais, du Maroc. Oui, c'est Et mon mon père, c'est le fournisseur plus gros des officiel. trous du cul, ouais. Bah je sais pas, je connais pas ton Mais daron bon, en j'en ai fait. rien à Tu travailles foutre. pour la MS-13, toi? Ouais, je travaille pour le MS-13, ouais. Pourquoi? Quelle Ok, et question. ben le Tu connais le MS-13, il veut que MS-13, tu toi? récupères la beuh. Si jamais tu nous butes et que tu te butes aussi, et ben personne n'aura la beuh et la MS-13 non plus. Et si t'as de la famille, et ben le MS-13, ils vont buter toute ta famille parce que t'auras pas réussi à trouver la beuh. Tant que t'as pas envie qu'on pète. J'en ai strictement putain de T'as rien à foutre vraiment de tout le pas monde. envie qu'on pète. Maintenant ta beuh, moi je vais te dire la vérité. Je sais pas si c'est ta beuh ou si c'est pas ta beuh. Nous on l'a pas pris au MS-13. Tu veux l'argent? Et je veux l'argent, ouais, tu es C'est qui le MS-13, effectivement, MS-13? ouais. Moi je connais Ah pas. merde, le coffre il est devant dans les voitures, D'accord, très bien. Il est Là, là il est dans connais les voitures. pas MS-13, frère. Comment on ouvre les coffres, les gars? On se casse! On se Allez, casse! casse-toi. Cours! Cours! Allez! Voilà. Vite, on sait jamais, il y a une bombe ou un truc bizarre encore, lui, frère! Toi, t'es dans la zone, Mais d'où il a tu eu peux mon voir quoi? numéro? Viens, on va voir les familles, on va... c'est eux qui ont donné mon numéro. C'est. Ouais, ok. Mais on leur fait quoi? On rentre comme ça, on fait Je la vais en cata? buter un, je m'en On bats les sort? couilles. On va faire passer un message, ok? Vas-y. Je sors! Allez, que le. Remonte, 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 remonte. Remonte, vite, vite, remonte. Allez, Bachir. Voilà, je l'ai fumé. La vie de moi, je l'ai fumé. Sur la vie de moi, je l'ai mine dans la tête. Fils de pute. Tu vas voir, c'est qui les vrais. Espèce de pouki de merde, les gangsters en carton. Mais moi maintenant, je te jure, je te donne la totalité de ton argent si tu me dis qui a donné mon numéro. Tu vas pas te donner l'argent à moi. Tu vas le donner directement à Emilio. Et lui, il Ouais, décidera comment tu t'en sors. voilà. D'accord? Mais Très bien. voilà, Et là, mais tu viens de je... t'endetter. Toi et ton copain, vous venez de vous endetter un peu plus fort. Mais non, Vous allez travailler pour moi. D'accord? Vous allez Mais me la mettre tête l'argent. d'homme, c'est mort, ça. Ça, c'est Ah mort. ouais. Ah ouais. Oui, Donc c'est mort. oui. T'es sûr de Non, toi? nous, on travaille pour personne. Nous, on travaille pour notre compte, frère. Très bien. Vous êtes Oula. endetté. Vous allez travailler pour ce que vous venez de me faire. Vous m'avez foutu un putain de coup de crosse dans la tête. Tu comprends comment? Tu Ouais, crois que je vais le laisser non, passer? Tu crois ouais, réellement que je vais le ça, laisser passer? ouais, C'est mais ça? nous, je t'ai dit, nous, il n'y a pas de souci. Ce que tu veux, mais je veux le numéro du mec qui a donné mon numéro. On a les oreilles très larges, de partout. Non, 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 c'est quelqu'un qui te l'a donné. Je donne pas d'informations, voyons. Tu es un petit encore, tu n'arrives pas Bah, à comprendre encore, j'ai l'impression on ça. n'est pas des petits, la tête d'homme, on n'est pas T'es des pas petits, des frère. petits. Ah oui, La vous vie, courez de non. partout. La vie de moi. Qu'est-ce que t'as fait dans la vie, dis-moi petit. Moi, Hey, qu'est-ce que t'as fait? j'ai fait des braquages de ouf, t'es pas Des prêt, toi. braquages de ouf, très bien, Oui, dis-moi, j'ai qu'est-ce que fait t'as des fait? braquages. T'as braqué de snack à l'épicerie? Non, en 96, c'est moi, j'ai braqué l'épicerie de Madame Merlem. Madame Merlène, ah Ouais, oui. en Mais. 2002, c'est moi, j'ai braqué, la tête d'homme, j'ai braqué de ouf. Ouais, hey. Et ben, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un super challenge. J'ai braqué 10 épiceries à la suite, bam, 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 bam. Très bien. Est-ce que t'as fait Frère, un je te donne braquage moi. sans déjà tirer une seule balle de ton putain de Ouais. barillet? Ouais. Hey, t'as déjà fait ça? Ouais. Hey, j'aimerais bien te voir à l'action alors dans ce cas-là. Je suis un bonhomme, moi. Comment Très bien. ça? Eh bon, on va voir, on va voir, on va voir. Très bien. J'organise un petit braquage de bijouterie et on va voir si tu fais ça. Bah Ouais. vas-y, vas-y. Très bien. Moi, Ok. moi, je viens avec mon pote. Je viens pas Tu tout viendras seul. avec ton pote. Tu te démerdes. La dette, elle est pour vous deux. Vous Oui. deux, vous avez une dette envers moi. Vous m'avez Oui. mis un putain de coup de crosse dans la gueule devant comme ça, en m'humiliant, en essayant de me faire passer Non, pour mais il autre y avait chose. personne. T'es pas humilié, il y avait personne. Si, il y avait moi, il y avait ma personne. Vous avez humilié moi-même, mon ego, ma personne, Ouais, ce que je suis. ouais, mais il y a moyen d'avoir le numéro du mec ou pas? Quel Qui nous mec? a Qui te balance? raconte? Qui nous a balance? Qui a Je donné mon donne jamais les numéro? informations, voyons. Tu sais comment ça se passe, petit. Ou peut-être pas, en fait. J'ai Si, l'impression que t'es je encore sais. petit. Moi, je suis un daron, moi. Daron mon cul. Ouais. Et Est-ce qu'on là, va faire? tu veux quoi, là, du coup? Je voulais.
juste simplement te dire que tu vas avoir une putain de dette à payer pour le coup de crosse que tu m'as foutu dans la gueule. Ben on va voir ça avec le MS-13 directement. Je suis le MS-13, t'as pas encore compris ça, petit. Mais non, tu m'as dit... Non, tu... Alors là, tu m'as clairement dit, tu me l'as dit il y a 5 minutes, tu m'as dit, c'est pas à moi que tu vas le rendre, c'est à Emilio. Non. Dire que l'argent, tu vas lui rendre à lui, c'est sa dette. Mais oui. Moi, je représente le putain d'MS-13. C'est-à-dire que tout passe par le MS-13, passe par moi aussi maintenant. Tu comprends? D'accord. Emilio, c'est mon petit. C'est un petit. C'est le petit-fils à Ernesto. Ernesto, c'est du business avant que tu partes en couille ici dans cette putain de ville. Oui. Coup, tout passe par maintenant. Tu comprends? Et c'est pas des petits minots qui vont me donner des coups de crosse et qui vont se barrer comme ça à tire-larigot qui vont réussir à faire la loi. Tu comprends? Mais en fait, on n'est pas des petits minots. C'est ça que tu comprends pas, en fait. Alors, vous êtes quoi, exactement? Nous, on est l'élite. C'est nous le futur de cette ville. La tête d'or. Très bien. Le futur de cette ville, il va finir avec du plomb dans la tête s'il continue à se fournir ailleurs. Tu comprends ou pas aussi ça? Mais non, on se fournit pas ailleurs. Comment ça, on se fournit ailleurs? Alors, elle vient d'où, ta beuh? Elle vient pas du Maroc. Elle vient d'où? Elle vient du Maroc. Ok, t'as un contact? T'as quelqu'un qui peut-être qui va te ramener ça? Ouais. Très bien. C'est comme toi, alors, fais-moi une rencontre avec ton contact. Mais c'est comme toi. Non, c'est comme toi. Non. Qui me dit? Moi, tu me donnes le numéro et je te jure, je t'envoie mon contact. Malheureusement, moi, ça passe pas dans le sens. Qui m'a poké. Écoute-moi, Bachir. On va parler jusqu'à demain. Oui. On va faire en sorte que de te donner 2-3 missions pour éponger ta dette. D'accord? J'ai une petite bijouterie à faire, et etc., etc. Oui. Pour la suite, vous allez rembourser directement à Emilio l'argent que vous lui devez. Oui. Quand? Là, hein? Ouais. J'attends pas, hein. Là? Oui. Bah, alors, je vais te donner rendez-vous chez moi directement. Comme ça, on pose. Non, on va plus chez toi. C'est nous, on donne des positions. Non, ce sera chez moi. Non, frère. Non, tu me dis c'est 4 chez toi. La tête d'homme, on va pas chez toi. Non, tout va bien, t'inquiète. La tête de moi que je vais pas chez toi. C'est mort. Non, toi, t'es malade, toi. Mais c'est pas que j'ai peur. Tu donnes des rendez-vous avec du C4. C'est mort. Je viens plus à tes rendez-vous. C'est pas grave. C'est nous, on va donner la position. Non, ça pourrait pas marcher comme ça, malheureusement. Écoute, t'as mon numéro, Bachir, d'accord? Si tu changes d'avis, tu m'envoies un message. Vas-y, pas de soucis. Très bien. Ciao, Bachir. Vas-y, ciao. Et sinon, on t'envoie la pause. Là, je te l'envoie bientôt. Tu n'enverras rien du tout, Bachir. C'est pas on va pas chez toi. Tu mets du C4 chez toi, c'est mort. Non, je mettrai pas de C4. Ne t'inquiète pas. Oui. Et alors, si tu dois crever avec du C4, quoi, C4 dans le cul, putain. Non, c'est mort. Moi, je suis jeune, moi. Je crois comme toi. T'es là, frérot? Ah, je suis là, frère. T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. C'est un ouf, lui. Il va encore nous ramener chez lui. Il a dit, ouais, pour notre dette, pour le coup de crosse, on ferait une bijouterie, je sais pas quoi. Ah, c'est une bijouterie, frère. Ça, j'aime trop faire des bijouteries, frère. Je suis dessus. Hein? Non, ça. Hein. Non, ça, hein. On s'en est bien sorti là, frère. Non? Mais t'as entendu, il m'a dit quoi, là, pour les trucs? Il t'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, l'argent, tu passerais à Emilio, je sais pas quoi. Frère, il va nous buter, Emilio, wesh. Mais non, mais on savait pas que c'était un lui, frère. Il en a rien à foutre, non? Qui, Emilio? Bah ouais. Bah je sais pas, il m'a dit l'argent, tu le passeras pas à moi, tu le passeras à Emilio. Oh, ça me casse les couilles, là, frère. De quoi? Mais le Frédéric Prune nous l'a pas dit, ce bâtard, là. Oh, par contre, j'ai vu sur Twitter, il y avait un nouveau groupe, là, qui s'était implanté. Mais non, bah tant mieux, mais ça commence à faire beaucoup, ça fait plaisir. Retour des bikers, mon frère. En plus, j'aime bien les bikers, moi. Sérieux? Les bikers? Moi, les bikers, frère. Ah, les bikers, d'habitude, ils rigolent pas trop, hein. Moi, c'est pour ça, j'aimerais bien les rencontrer. Mais ils sont là? Ouais, ils sont là. Ah, mais les rencontrer pourquoi, frérot? Pour blancheur. J'ai besoin de blancheur. Vas-y. Mais déjà, faut régler ce problème. Ah merde, le Vagos, on va aller voir le Vagos. Va voir le Vagos. Bah après, on change, du coup. Ou c'est... Ah non, bah non. Non, reste comme ça. Mais on a de quoi aller blanchir ou pas? Bien sûr, on a de quoi. Jure les mots de méchant de ouf. Ouais, salut les gars. Hola. Ouais, salut les gars. Comment est-ce, tranquille? Ouais, on vient pour le rendez-vous, il y a possibilité d'aller directement au fait. Si, bien sûr, venga. On n'aime pas trop traîner comme ça dans les rues. Soir. Je vais chercher la petite valise. J'arrive. Ouais, ça marche. Allô? Attends, fais plaisir, les gars. À qui je la donne? Ouais, moi, s'il te plaît. Tu peux la donner aux collègues qui est derrière. Si, je t'ai dit, hola, tranquille. Ouais, tranquille, et toi? Et tranquille. Vas-y, laissez partir, super. C'est bon. Vas-y, bonne soirée là-dedans. Ouais, bonne soirée.
Ouais, du coup, peut-être des nouveaux bikers. T'as dit quoi? Des nouveaux bikers pour... Oui, ouais. J'ai des nouveaux bikers pour le blanchiment, c'est ça? Ouais, c'est, ça, ça peut être bien, ça. Ah, c'est bien. Comme par hasard, quand on en parlait, en plus. Il y a que les familistes qui nous cassent les couilles, en fait. Mais en fait, frérot, le truc qui se passe, c'est que pour être les rois de la ville, il faut s'entendre avec tout le monde. Tu vois le délire? Et eux, faut leur montrer. Tu vois ce que je veux dire? Faut trouver leur blanchisseur et lui couper les pattes. Tu forces trop sur la voix. Ouais, c'est fait exprès, Hamza. C'est quoi ton Discord? Tu vas sur mon Discord, frérot, ou tu tapes en exclamation Discord, je crois. Tapes en exclamation Discord. On les appelle maintenant? Ah ouais, ils vont ouvrir une licorne, du coup, faudra qu'on aille charbonner. Je vais les appeler là avant, Mika. Vas-y, vas-y. Qui veut ouvrir une licorne? Ben, les mecs de l'unicorne. Mais c'est l'autre blanchisseur qu'il faut baiser, frère. Bah, lequel? Bah, je sais pas, frère. Bah, y'a le mec de l'unicorne déjà. On n'est pas sûr, hein. Mais comment ça, on n'est pas sûr? Mais si, on avait tous les renseignements comme quoi c'était lui. Eh, les bikers, ils sont à droite, là-bas? Non, ils sont pas à droite. Et c'est où le concessionnaire, ça, à droite? Ça, c'est le concessionnaire, ouais, par contre. Donc, on sera peut-être ici, après. On sera peut-être ici, ouais. Ok. Là, ça passe crêpe de fou. Ouais, non, ici, c'est propre, tu vois, parce que concess, en plus, tu vois, tu le dis pas, hein, tu vois. Au moins, on a une couverture. Comme ça, Frédéric, au bout d'un moment, il va baiser sa mère, tu vois. Oui. Parce que Frédéric, il nous a bien baisé, ce bâtard. Hein. Venez voler ça, il nous a pas dit que c'était acquis, hein. Après, on savait qu'on s'attaquait à quelqu'un, tu vois. Ouais, mais moi, je savais pas que c'était des mecs de MS13 ou je sais pas quoi, frère. Mais frère, de toi, dans le même temps, tu t'attendais à quoi? Mais t'as le numéro des bikers, au moins. Bah ouais, il m'a envoyé la poste, bah là. Vas-y, go. Mais, ah, mais Thomas, frère, t'es un ouf. Bah, attends, on y est pas encore, t'es un ouf. Oui, là, moi, je le mets. Eh, t'aimes bien mes lunettes? Ouais, ça va. Stylé, hein. Ouais, ça va. Il te faut être gadget, frère. Mais voilà, c'est dépit, frère, voilà. T'es chaud, j'essaie de trouver de gadget? Non, c'est mort, frère. S'il te plaît, Bachir. Voilà, je suis pas Dominique, frère. On fait des missions, qui veut épouser Bachir. Vas-y, juste pour le délire, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Vas-y, juste pour Dahak, vas-y. On attrape les plus grosses pistos de la ville. Vas-y. Mais par contre, faut que je montre que je suis blindé, hein. Elles vont pas s'intéresser à toi parce que t'es pas super beau. Ouais, En tout cas, la meuf, elle a dit que j'étais plus beau que toi, frère. Alors, y'a vraiment aucune meuf qui a dit que t'étais plus beau que moi, hein. Il a tête d'homme que la meuf. Si, il y a une meuf, ouais. Ouais, en plus, c'était la plus fraîche. Mais elle a dit, moi, j'étais plus charismatique, frère. Et je t'ai dit, encore une fois, être charismatique, c'est plus qu'être beau. Hein. T'es pas charismatique, c'est juste que tu les insultes pas de pute, tu vois. C'est pas comme moi. Non, je suis plus charismatique que toi, j'ai pas dit que j'étais charismatique. Vas-y, frère, vas-y. Je te sens pensif, t'es pensif à vous. De ouf, je pense à Aïcha. C'est qui Aïcha? C'était ma meuf en CM2. Et pourquoi t'es plus avec? Parce que cette pute, on l'a rien, mais elle est partie voir Rachid. Tu l'as enculé, Rachid? Ouais, j'ai niqué sa mère, je l'ai buté. Et après, elle est revenue ou pas? Après, elle a dit non, c'est mort, ou là, tu parles trop mal et tout. T'es mignon, mais tu parles trop mal. T'as vu? Non, là, non, là, t'abuses, là, t'abuses. Non, elle est arrivée d'une part. Non, elle était devant. Si, elle est arrivée d'une part. Jure! Mais moi, je la voyais devant, frère. Oh, t'as vu, je t'ai dit, frère. Ah, le poule, mets-moi, merci. Mais t'as pas de charisme. Merci, laïp. La hype de mien. Non, mais les mecs, ils créent des comptes, vous êtes des ouf. Merci beaucoup, les gars. Ouais, mais moi je suis mignon, toi tu crois trop. Oula. Eh, crois pas. Les meufs, crois pas, t'es gentil avec elles, elles vont être gentilles avec toi, hein. Oula, toi en fait, le problème, oula, c'est que tu crois trop, les meufs. Non. Tu vois le délire? Rien à voir, rien à voir. Frère, faut leur montrer c'est qui, tu vois, le mal alpha. Tu peux leur montrer c'est qui sans les insulter de grosse pute à longueur de journée, wesh. Mais je l'ai pas insulté de grosse pute, frère. J'ai juste dit, elle se croit bonne, wesh. Tu passes ton temps à les insulter de grosse pute, wesh. Mais c'est pas des putes, y'en a, ouais. Active le mode méchant. Vas-y, c'est parti. Et ma voiture elle est en panne, wesh. On va pas pouvoir repartir, pense à ça quand on va vouloir partir. Vas-y. Active le mode méchant. Allô. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Alors comme ça c'est vous les blanchisseurs? Exactement. Apparemment okay, vous cherchez un contact. Le contact est actuellement devant vous. Les contacts plutôt. Ok, ça marche. C'est le réfé qui m'a mis en contact avec vous. Ouais, c'est ça. Ouais.
Et du coup, ce serait juste pour vous prévenir qu'on aurait peut-être besoin de vous Ok, donc on va pas dans un avenir très proche. On va pas passer par quatre chemins, on va parler tarifs directement. Donc ce qui va se passer, sur une somme de 1 000 $, on vous blanchit à 25%. C'est-à-dire que nous, on va prendre 250 $ et vous repartez avec 750 $. Ça vous va? Ok, Et ça me croyez-moi que vous va. allez, et croyez-moi que vous allez pas trop vendre. Vous pouvez retirer vos mains? Je sais pas ce que Oh, vous ok, êtes. les gars. Mes hommes, peut-être pas, mais moi je peux. Non. Je veux tes hommes. Et toi aussi. Voilà, le Ce problème sera c'est pas que. possible. Si c'est pas possible, on travaille pas ensemble. Ouais. Tant pis alors. C'est que tous les groupes avec qui on a travaillé ont enlevé leur masque. C'est juste par Moi je peux. précaution. On Moi je s'en peux fout enlever de mon qui masque, travaille pas mes avec hommes. vous. J'enlève. Je vous le dis, nous on s'en fout de qui est là ou pas. Nous tout ce qu'on veut c'est travailler avec des gens sérieux et Bon, travailler avec des regardez, gens respectables. Il n'y a pas de il souci. n'y a pas de On s'en fout de souci. votre identité, c'est juste par mesure de précaution. Sachez que le blanchiment, on travaille avec toute la ville. Vous comprenez? Ok, ça Toute la marche. ville. On peut travailler avec tout le monde. Et à n'importe quel moment, il peut y avoir Les un moustique ou gars, quoi que ce enlevez vos soit. masques. Ouais, pas de souci. On a réussi ou pas? On a réussi ou pas? Il en soit, Ok, toi. déjà, merci pour cette confiance. Pas de souci. Il en manque deux derrière. Messieurs, vous pouvez enlever vos masques, s'il vous plaît? Allez, les gars. Ok, comme ça au moins c'est fixe. À partir de là, on part sur des bonnes bases. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous avez une somme, par contre, Ouais. on va partir sur un 100 000 $ minimum, ok? On blanchit pas en dessous de 100 000 $. Ok? On part sur des grosses sommes, on va pas blanchir sur des sommes de 50 000 $. Ça Ok? va de soi. À partir du moment où vous avez 100 000 $, vous nous appelez et nous on procède ensuite au blanchiment. Ok, Ok. le blanchiment, vous l'avez sur l'instant. Ou dans les 1 heure. Ça Ok, vous va? ça me Non. va, c'est parfait. Non. Parfait. Comment ça? 24, 20, 20, 24 heures. Ah, 24 heures. Si vous On est voulez un même pas. tarif spécial, on peut vous le faire plus rapidement. Ok. Ah. Voilà, si vous voulez un tarif arrangeant, on va dire, On entre verra ça parenthèses. le moment venu. Vous comptez faire quoi comme business? Le mal de gorge commence? Non. On compte reprendre la concesse. Vous comptez reprendre quelle concession? Concesse, tu veux. Bah, tu vois celui des Je motos suis actuelles. test. Moi, je suis le boss. Et ça, c'est mes revendeurs. Tu viens de me dire que tu te fais fournir, ça veut dire toi t'es un revendeur et t'as des revendeurs. Non. Je produis et ensuite je me fais fournir. Ça que t'as pas compris. Tu C'est que dans produis, le tu te fais nord. fournir. Ah ouais, ils me fournissent. Ils viennent du Désolé. nord et ils font des GoFast jusqu'ici. Tu peux pas produire et fournir en même temps. Si, Enfin si, on tu peux. produit et on fournit. Non, non. Si. Si tu produis, t'as pas besoin de te faire fournir vu que c'est toi qui produis. J'oublie Non, c'est juste tout. pour te Ah, prévenir j'oublie qu'on tout, fournit pourquoi aussi. pas. Ouais, tu les revends. Tu revends les pilules du fournisseur. Bah non, vu que c'est C'est moi le moi, je pense fournisseur. que... Comment ils cherchent la merde? Non, on prend les Non, infos, c'est c'est moi, bon je ça. pense. Tu On prend les revends infos, les on prend les pilules infos. du producteur. Ah non, 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 non. Moi, je suis producteur. D'accord? Mais je suis aussi fournisseur. Pourquoi y a Harley McQueen Ouais, parle-moi une moniuche! Le manque de respect C'est une total. menace? Non! Ah, le manque de respect total. Calme-toi, Spider. Ok. Est-ce que les pilules, tu les Ouais. produis ou tu Harley les Quinn. fournis? Les deux. Alors, ramène-moi une pilule. Actuellement, je peux pas. Écoute, on Alors, vient juste d'arriver et toutes nos machines sont pas en train de marcher et ne sont pas fonctionnelles avant 24 heures normalement. Pour le moment, c'est impossible pour nous de fournir quoi que ce soit. écoute-moi bien, Léon Baston. Voilà, je pense que Je parle à c'est ton un peu boss. plus clair. Léon T'as Baston. dit... Comment tu m'appelais? Ton boss? Parle à moi et pas. Ah, ok. J'avais compris une sorte de Léon bizarre. J'ai dit Léon Boston. Ah, Léon Boston, d'accord. Léon Boston, alors. Là, il ressemble en plus ce Ok. mec là-bas. Tu veux m'appeler Léon Boston? Non, pas toi, ton collègue. Ah, ok. La meuf, c'est qui? Ah, une petite du groupe, t'inquiète pas. Comment elle s'appelle? Comment tu t'appelles, la petite? Yo, moi c'est Sydney. Wesh wesh. C'est qui lui? Ah, lui, c'est quelqu'un qui va nous aider. Je vais pas vous aider. Ou faire en du business quelque avec sorte. vous. Ouais, elle comprend pas trop ce mot-là. Bah pourquoi tu veux pas nous aider? Je meurs. Yo, moi c'est Sydney. Ferme ta gueule, Sydney.
Ah, on dirait les vieux Snap et tout. Quand t'as été petite. Yo, moi c'est Sydney. Alors aujourd'hui, je suis sur le périphérique du Mont Blanc. Bon. Eh ben, tu m'appelles quand t'étais pilote. Ok. Elle m'a fumé. On se recontacte. Allez, bonne soirée. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. La voiture elle est en panne. Ouais, la voiture elle est en panne. Attends, est-ce qu'elle va démarrer un peu? Non, viens, on fait ça maintenant. Yo, c'est moi c'est Sydney. La meuf, la meuf elle m'a tué. Le début, il savait pas comment elle s'appelait. Il a dit, c'est quoi ton nom, petite? Mets-moi un poil unicorne, s'il te plaît. Du coup, il savait même pas comment. Tu veux pas te changer avant? Dis quoi? Tu veux pas te changer avant? Ah, je suis mort. Yo, moi c'est Sydney. On dirait que t'es sur Periscope, la meuf. Mais ils sont bizarres un peu, non? Bah, frérot, moi c'est l'argent qui parle, hein. Je m'en fous de ce qu'ils font. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est rien. Par contre, GHB, c'est intéressant. Eh, quand il a parlé du conseil, j'ai eu peur, hein. Mais il parle du conseil ce matin, frère. Ouais, mais apparemment, il parlait d'un autre, il a dit. Ah, ok, ok. Il a dit Sud-Est. Ah, ok. Ça va, t'écoutais pas. Sud-Est? Attends, y'a pas de conseil Sud-Est. Il est pas encore ouvert, peut-être. Apparemment, ça va être un nouveau, hein. Ok, ok. Et du coup, on va travailler avec eux, c'est ça? Ben, s'ils ont besoin de blanchir de l'argent, on leur blanchit, hein. Ouais, ouais. Ok, tiens le coup. Ah, tiens. Allez. T'as bien aimé le petit coup, ouais, enlevez vos masques, sinon on travaille pas avec vous. C'était pas mal, c'était pas mal. C'est moi qui l'ai dit? Oui, mais après, il voulait pas. Ouais. Il voulait pas. T'as vu, au bout d'un moment, il a dit quoi? Il a dit, eh ben, on va pas travailler avec vous. Ouais. Il s'avère pas d'utiliser un kit, hein. Non, 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 nique. Viens, faut qu'on... Viens, on change et on va au conseil, ça. Yo, moi, c'est Sydney. Yo, moi, c'est Sydney. C'est quoi cette bikeuse à ma fille? Tu vois, elle tirait bien, cette meuf. Une meuf comme ça. Là, t'es malade ou quoi, t'as? Une meuf un peu mongole. T'as un bat? Ah non, non, pas ici. On a nos tenues, cravate rouge et tout. Ils vont faire le lien, tu vois. Tu connais les gens. Ouais, ouais. Après, y'a pas de vagos, hein. Ouais, mais même. On sait jamais, tu vois. C'est pas que j'ai pas confiance, mais voilà. Ouais, t'as raison. Et écoute, on leur laisse leur chance, hein. Ouais, bah ouais, de toute façon. On est personne, frère, hein. De toute façon, on est personne. Nous, c'est quoi? On a de l'oseille, on blanchit, Selem, tu vois. Non, Selim. Non, Selem, Ah, Selem, je croyais que tu disais. Ouais, ok. Non, ouais. on n'est pas là pour l'instant, tu vois. Là, on blanchit, on se fait de l'oseille. Après, on pourra s'acheter des armes. Mais c'est qui le vendeur d'armes ici? Je sais pas, frère. Je sais pas qui c'est. C'est lui qu'il faudrait trouver aussi. Ce serait intéressant. Hein. Du coup, là, on est vigile, hein. Ouais, vigile. Donc là, je me mets en mode vigile. Ok, c'est parti. Ouais. Bon, je te dis la vérité, hein. Oui. C'est horrible d'être vigile, frère. C'est vraiment le travail le plus ingrat du monde, hein. Mais tranquille, parce que tu tombes avec des fils de pute qui veulent enfler leur tête et... Frère, on fait payer l'entrée, il est pas content, on garde l'argent. Ouais, non, mais frère, ils font de l'AD sur le parking, à l'intérieur, devant toi, derrière toi, cousin. Sauf que avec nous, on va leur montrer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je disais pareil. On est pas des petits vigiles, hein. Non, moi, je pas blague avec eux. T'as une matraque télescopique? Putain, elle y est, mais je l'ai posée chez moi. Ah ouais, j'ai mais pas non, américain, ça, moi. Ça commun, non, mais c'est tombé. Enfin, j'ai... Tu vois, hier, comment, pas comment, j'en ai allumé trois, hein. Ah, ça. T'es sérieux? Il est cassé les couilles, lui, oula. Oh, putain, il va s'avancer. Bah, ferme-toi, allô. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Tu regardes pas, tu ouvres pas tes putains de yeux. Tu regardes pas tes putains de yeux. Hey, il a trop la gueule, lui aussi. Monsieur, s'il vous plaît. Ça va, c'est ici le concert? Ouais. Il est dans une demi-heure. Bonjour madame. Ah, oui, ah parfait, temps. Bah voilà. Ça va, et voilà les deux meilleurs vigiles, ils sont là. Ah vous êtes deux, bah parfait. Ouais, ouais. Je sais pas où il est parti, Yuri. Yannis. Bon, oui, dis-moi. Fais l'entrée le maximum de personnes à l'intérieur, il y a actuellement le. Ok, ça marche pas, mes agents de sécurité s'en occupent. Quoi? Attends, laisse quoi sa phrase, frère, et frère, on a rien compris. Répète, attends. Répète. Oh, monsieur le keuf. Oh, le hanoche. Monsieur l'agent. Oh, le hanoche. Oh, monsieur l'agent. Ouais, je pense qu'on va annuler la soirée. Monsieur l'agent. Vous pouvez répéter? Mais lui, on va le gommer, lui. Je pense à lui parler dans sa radio. Ah, monsieur l'agent? Ah, on parle par message. Monsieur, s'il vous plaît, vous inquiétez pas. Soit vous partez ou soit vous l'entrez dans l'intérêt, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Ça marche. Rentrez dans l'unicorn, s'il vous plaît, tout le monde à l'intérieur. Allez, monsieur, tout le monde à l'intérieur. Non, y'a pas de attente. Yannis. À l'intérieur. À l'intérieur, madame.
Mais oui, bah j'ai compris, monsieur. Eh, hey, madame, voilà, toi, tu veux un truc, toi. Comment? Ah ouais, carrément ouais, dedans, mais c'est à l'intérieur, allez à l'intérieur, allez. Mais enfin, pourquoi il m'agresse, lui, son pantalon tout serré, là? Dites-moi, monsieur. Bonsoir, rentrez tous, rentrez tous, s'il vous plaît. Ouais, monsieur, bonjour. Monsieur... Ah, encore. Entrez, monsieur, entrez. Encore vous. Ça va, monsieur? Est-ce que vous ouais, ça va très bien. Si vous faites rentrer tout le monde à l'intérieur, s'il te plaît. Monsieur, ça va? Allez. Eh, voilà ma tête, elle est normale. Vous pouvez rentrer dans ce putain d'unicorne. Allez, messieurs, on rentre, s'il vous plaît, pour la sécurité. Eh ben, si vous rentrez pas, sortez du parking. Y'a un mec sur toi, là-haut. Y'a un mec sur toi, je vais lui tirer dessus.